bonjour, on reprend tout de suite. Ah, setup malgache, excusez-moi. J'ai un peu trop monté le son. Je crois que ça va en fait là. Ça me fait un petit fond sonore quand même. Hop. Ah, j'arrive en même temps là, je sais pas ce qui se passe. Ah, je dois rentrer. Attends un petit peu. Bonsoir. Bien le bonsoir, monsieur. Je peux vous aider, monsieur? J'espère. Je m'appelle Scott Shelby, je suis détective privé. J'enquête sur le tueur aux origamis. J'aimerais vous poser quelques questions. Mon fils est mort, monsieur Shelby. Rien. Donc lui, il va interroger toutes les victimes de... Le tueur vient d'enlever un autre gamin. Un gosse de 10 ans. Comme votre fils Reza. J'ai 4 jours pour le retrouver, avant qu'on découvre son corps sur un terrain vague. Personne n'a rien fait pour sauver mon fils. Alors, soyez gentil, monsieur, allez-vous-en. J'ai aussi perdu quelqu'un que j'aimais. Je sais ce qu'on ressent. Alors, vous comprendrez. Je ne souhaite pas en parler. Ah, vous avez des inhalateurs? J'en ai plus. Et puis, comme ça, je serais pas venu complètement pour rien. Au fond du magasin. Alors, aux États-Unis, la Ventoline est gratuite et sans ordonnance. Acheter de la Ventoline chez n'importe quel Pakistanais. Donc lui, c'est un voleur. Vous cherchez quelque chose en particulier? Ça sent le QTE. File-moi ce qu'il y a dans ta caisse. Allez, émane-toi. Ouvre ta caisse, t'as pigé, connard. Pose la thune sur le comptoir. Merde, mais t'es sous ou quoi? Tu vas l'ouvrir, ta putain de caisse. Non, monsieur. Vous n'avez pas le droit de me voler cet argent. J'ai travaillé dur pour l'avoir. Vous ne pouvez pas le prendre. Ah ouais, 3 boutons là, putain. T'es une conne, mec. T'as pas bien figé la situation. J'ai collé une putain de balle entre les deux yeux. Si tu fais pas tout de suite ce que je te dis. Vous n'avez pas le droit de prendre ma caisse, monsieur. Cet argent est à moi. Il y a mieux de partir, maintenant. Mais toi. Viens ici. Putain, viens ici, je te dis. Bouge pas! Lève les mains! Lève les mains ou je te descends! Écoute, ça vaut pas le coup. Range cette arme et sors d'ici trop tard. Alors, je le raisonne parce que j'ai pas trop envie de le faire. Je sais ce que j'ai à faire, alors lâche-moi, ok? Je m'appelle Scott. Et toi, c'est comment? Mon prénom? Andrew. Je m'appelle Andrew. Je vais rester quand même avec lui. Pas de panique, on va tous rester bien calmes. Personne ici ne te veut du mal. On va tous rester cool et tout va bien se passer. Ouais. Je suis cool, mec. Et tout va bien se passer. T'as quelqu'un que t'aimes autour de toi? Une petite amie, la famille. Ouais. Une petite fille. J'ai une petite fille. Je raisonne. Elle s'appelle Jessica. Je sens pas de... Qu'est-ce que Jessica penserait si elle te voyait là? Réfléchis un peu. Qu'est-ce qu'elle va devenir si ça tourne mal? Maintenant, je voudrais que tu ranges ton arme dans ta poche et que tu repartes tranquillement. Lui et moi, on va oublier ce qui s'est passé et tu vas gagner une deuxième chance de pas foutre ta vie en l'air. Qu'est-ce que t'en dis? Je suis pas serein là. Ah, ça va, j'ai réussi quand même. Thank you.
Mille fois merci. Je ne sais pas ce qui se serait passé si vous n'aviez pas t'aurais été crevé. Là. Eh ben, au moins je serais pas venu pour rien. Bonne soirée. Quand mon fils, Reza, a disparu, j'ai reçu une lettre avec un ticket de consigne. À l'intérieur, j'ai trouvé cette boîte. Je n'ai pas compris ce que c'était. Je crois que c'était une sorte de message de celui qui m'a pris mon fils. Mais je peux. Qu'est-ce que ça peut bien être? Un origami. Tenez, si cette boîte peut vous être utile, prenez-la. Elle ne m'a pas aidé à sauver Reza. J'espère qu'elle vous donnera des indices pour retrouver l'autre petit garçon. Monsieur Shelby. J'ai commencé à penser qu'il n'y avait absolument rien de bon par ici. Je crois que je me suis trompé. Bonne action, bonne action. J'ai bien fait de... Alors peut-être que t'aurais pu le tuer, tout simplement, le mec. En étant un peu plus menaçant et tout ça. Mais bon, on ne le saura pas. Je ne le saurai jamais. Ah ! Nouveau personnage ! Qui cela peut-il bien être ? Une femme. Alors bon, on peut voir qu'ils ont tous un petit peu un... Ils sont... comment dire ? Oh putain ! Ils ont une vie autour du tueur, enfin une... un commun autour du tueur, hein, l'autre qui perd son fils, les deux flics là, Harry, tout ça, et elle. Ah, négociateur, tu vois. Alors en gros, je pense que tu auras d'autres trophées en faisant plus, genre le bourrin, tout ça, tout ça. On le fera pas. Hein. Je vous le dis tout de suite, autant en ce moment, je... Arkham Knight, j'essaie de le platiner parce que ça va, il est pas compliqué à faire. C'est il y a de l'action, il y a du rythme. Tant celui-là, je pense pas que je vais le faire. Ok, je vous laisse de toute façon si comment dire profiter de du jeu. Je parle pas trop, hein, c'est un film, c'est comme si on était dans le cinéma. Qu'est-ce que je vais faire ça? Voilà. Après. Qu'est-ce que c'est? Il est 2h. Donc là, c'est la première meuf qu'on incarne dans le jeu. Petite débardeur culotte. Fais voir ton boule. Fais voir ton boule. Fais voir ton boule. Donc. Putain. Une putain de marche, quoi. On va aller checker l'ordi. Alors, qui c'est? C'est une détective, elle aussi. Ça peut bien être. Mon dieu. Sans le QTE, là, vous le sentez aussi? Il y avait un truc, là. Il y avait un truc. Tiens. J'attends que ça cuise. Alors. Tu vois, la caméra elle tourne bien pour essayer de te faire croire qu'il y a quelque chose. Voilà. Y'a rien à faire ici. Alors la musique s'intensifie.
Alors attendez. J'avais vu quelque chose là-bas. Là, un genre de dressing là. Voilà. C'est là que je voulais aller. Qu'est-ce donc? Elle est tracassée cette fille. En tout cas, elle est bien faite. Hein. C'est vrai. Soyons honnêtes, toi. Alors, je ne sais pas d'où le bruit venait. On n'a rien entré. Je vais peut-être rentrer dans cette porte. En tout cas, le jeu est bien fait quand même, j'avoue. Voilà, l'autre porte. Petite salle de bain au calme. Franchement, la vie rigole pas là. De compétition quoi. Ah là ça te fait croire qu'il y a quelqu'un hein. Petite lessive non. Ah attendez, si on peut lui faire prendre une petite douche. Ah merde, mais en gros c'est ça. Ah c'est déjà ça, voilà. Ah bah oui, ah oui, du boobs. Fallait du boobs, obligé. Instant pervers. Ah merde. Je peux appuyer sur le bas mais je sais pas pourquoi. Peut-être pour arrêter la douche. Ah là on kiffe là. Ah là ça fait un peu... Ah là je suis désolé, là ça fait... Sur la scène ça fait un peu bizarre quand même. J'étais sûr qu'en plus ils allaient mettre un QTE comme ça. Putain cette crasseuse elle remet la même culotte quand même. Mais là non je crois qu'elle a changé. Regarde-toi dans la glace. Alors je ne sais pas si les dessins vont être censurés sur YouTube, j'en sais rien. Ils prennent tous des médocs hein, quand même. Ah, tous prennent des médocs. T'as l'autre qui a de l'asthme, t'as l'autre qui est schizo, je vois donc. Il n'y a pas de médoc hein, à proprement parler. Mais. Putain ouais, elle a une sacrée. Elle a une sacrée salle de bain. Ah oui, on va la refaire pipi quand même. Non mais. Elle sert à rien ces actions sans déconner. Ouais, c'est peut-être pour que tu rentres dans la peau des persos, quoi. Je sais pas. Par contre, elle s'essuie pas, c'est une grosse dégueulasse. Quoi. Elle fait pipi ou elle chie, non, elle a rien. Ils auraient pu penser quand même au papier toilette. What the fuck? What the fuck?
est quand même sereine, hein. Moi je vois ça, franchement. Je t'avoue, j'ai un coup de pression. Sans pression. Quelqu'un dans l'appartement. Le téléphone sur le bureau. Je pourrais appeler à l'aide. La porte. C'est la seule issue de l'appartement. Si je l'atteins, j'ai encore une chance. Alors, si t'atteins quoi? Ça sent le game over pour Mamir, là. Ça sent le game over pour moi, là. Ouais, c'est chaud. C'est chaud. Ah ! Je me suis trompé. Mais non, elle... Ah mais ils sont deux ou quoi? Ah ils sont deux. Ils sont trois. Sans déconner. Endroit où elle est, la salle de bain. What the fuck? Ok. Ok. Je m'en doutais un petit peu, hein. Je m'en doutais un petit peu. C'était prévisible. En tout cas, j'en ai raté des trucs, hein, j'en ai raté des QTE, putain. J'en ai raté. Donc là, on va retourner à Hayton. On a débloqué un nouveau... Et d'ailleurs, je pense qu'on va arrêter sur ça, pour cette partie-là. À coup de 20 minutes. Donc là, j'appuie sur pause. Et ben, on va reprendre la partie après 6, hein, tout de suite après. Non, c'est la partie 7. Hein, on commence à avancer un petit peu, on commence un petit peu à avoir des un petit peu d'intrigue, hein. Ça commence à être un peu plus, ça bouge un petit peu plus. Donc on se languit de savoir qui est ce tueur, l'origami. Donc sur ce, je vous dis à plus tard et portez-vous bien. Et mangez des chips.